Bonjour à tous, c'est Eric de chez Kia Cavaillon. Aujourd'hui, une simple vidéo et bien pour vous présenter d'une part le nouveau modèle de chez Kia qui vient de sortir, le Kia e-Niro. Donc c'est un Kia 100% électrique, un petit crossover urbain, voilà, que je vous laisse découvrir. Et je voulais juste vous expliquer, pour les gens qui ne savent pas ou qui ont des doutes ou des peurs sur le véhicule, c'est de savoir comment se branche un véhicule électrique et comment ça se passe, notamment où on branche la prise. Donc en premier lieu, vous aviez ici, voilà, la partie e-Niro. Donc j'appuie et là, voilà, j'ouvre la partie de branchement. Le petit cache à retirer et à Cavaillon, nous avons juste à proximité la borne de rechargement. Donc il suffit simplement de brancher d'un côté l'embout, de prendre celui que j'ai au préalable branché ici et ensuite je vais le brancher tout simplement avec donc l'embout ici, la partie plate vers le haut. On suit tout simplement, hop là, voilà, là le véhicule est branché, il est en charge, il n'y a plus rien à faire. Et ensuite je vais vous montrer à l'intérieur comment ça se passe, puisque vous avez quand même donc des voyants qui vont s'allumer. Alors je ne sais pas si on va les voir avec le soleil, mais devant vous avez des voyants ici qui vont s'allumer. Là il s'avère que le véhicule est quasiment plein, donc on a 88% de charge et il va rester 2h40 environ pour avoir du 100%. Mais 88% de charge sur une autonomie de 450 km, c'est on peut déjà faire beaucoup de kilomètres. Le véhicule est déjà rempli à 88%. Donc le crossover urbain de chez Kia, 450 km d'autonomie, on ne rechargera pas tous les jours forcément, mais en tout cas le système de chargement, vous l'avez vu, il est très simple et c'était le but de vous l'expliquer un petit peu. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.